Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais venir faire suite au sujet qu'on a déjà évoqué la dernière fois à propos de la liberté et la morale. En effet, dans une première partie, on avait d'abord vu que la liberté semblait incompatible avec une morale qui pouvait au contraire se présenter toujours comme aliénante ou oppressive. Le but cette fois-ci, ça va être de montrer au contraire que l'absence de morale, elle aussi, peut s'avérer aliénante, oppressive, voire même violente. Je vais ici reprendre une idée du commentateur Raoul Moati qui nous explique que jusqu'à maintenant, par exemple dans la première vidéo, c'est comme si on avait parlé uniquement de la structure de l'être. À partir du moment où on va parler d'autrui, on va passer de, dit-il, la structure ontologique à l'homme concrètement. Pour comprendre ce qu'est la rencontre avec autrui chez Jean-Paul Sartre, il faut d'abord comprendre son concept du regard. En fait, ce que va nous dire Sartre, c'est que lorsqu'on rencontre quelqu'un d'autre, il peut pas être réduit à un objet qui s'ajoute à mon monde, à mon univers et à ce que je vois tous les jours. Là, on rencontre non pas un objet, mais d'abord un regard, c'est-à-dire un autre regard sur la situation que, par exemple, je suis en train de vivre ou sur l'univers que moi-même, je regarde déjà. Autrement dit, si je ne perçois pas autrui comme un objet, mais comme un sujet, c'est parce que je me rends compte non pas qu'il y a quelque chose qui s'ajoute à mon monde, mais que je rencontre un autre monde en tant que tel. En somme, je vais découvrir que dans le même environnement que moi, il y a une autre liberté qui a un autre rapport avec cet environnement. Et évidemment, ce rapport-là, ce monde en tant que tel, c'est quelque chose auquel je n'ai absolument pas accès, tout simplement parce que je ne peux pas me mettre sur un autre plan d'être, je ne peux pas mettre à sa place. C'est pourquoi la première étape dans ma rencontre avec autrui, c'est de me rendre compte qu'il y a un autre monde que moi qui existe, mais qui m'échappe. Il appelle ça la fuite de mon monde vers quelque chose, vers d'autres possibles auxquels je n'ai absolument pas accès. Ainsi, tout d'un coup, un objet est apparu qui m'a volé le monde. Mais la rencontre avec l'autre, elle a lieu quand moi, je vais prendre conscience d'être vu à mon tour. Je vais vous parler d'un exemple très connu dans L'être et le néant, qui est l'exemple du trou de serrure. Imaginons que, par jalousie ou par intérêt, je suis tentée d'écouter une conversation en collant mon oreille à une porte. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui va rentrer et qui va me voir et me regarder. Je vais être renvoyée à moi-même, je vais être renvoyée à ce que je suis en train de faire, je vais être renvoyée à mes actions en tant que telle. Et très souvent, ça passe par la honte. En somme, je suis en train de faire quelque chose dont j'ai un peu honte, mais cette honte passe et ne peut passer que par l'intermédiaire d'autrui qui, en me reconnaissant, va permettre de prendre conscience de moi-même. Le fait d'avoir conscience de soi à travers les yeux d'autrui, c'est un héritage très gros de Hegel, mais c'est aussi une façon pour Sartre de dire que l'on est objectifié. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'autrui, par son jugement, parce qu'il me met justement en face de moi-même, va faire de moi quelqu'un. C'est très réducteur pour Sartre, ça veut dire qu'il va nous attribuer une identité, comme par exemple « cette personne est jalouse », et me réduire à mon en-soi, si vous vous souvenez de la première vidéo, c'est-à-dire à quelque chose en tant que tel. Et à ce moment-là, certes, grâce à autrui, j'ai réussi à prendre conscience de moi-même en passant par la honte, mais je suis objectifiée par son jugement dans un même temps. Ce moi que je le suis dans un monde qu'autrui m'a aliéné. En fait, c'est comme si autrui faisait disparaître ma possibilité de changer mon projet de moi-même, c'est comme si autrui faisait disparaître mon pour-soi. Et c'est à ce moment-là qu'on peut dire que j'ai rencontré autrui, car j'ai fait l'expérience de son infinie liberté à lui. Et à partir de ce moment-là, c'est la dégringolade, puisque tous mes rapports avec autrui vont être envisagés sous un rapport conflictuel. Effectivement, tous les rapports que je vais avoir avec autrui à partir de ce moment-là vont être envisagés en fonction de l'aliénation que je vais subir de sa part. Pourquoi? Parce que mon but, à partir de ce moment-là, c'est de récupérer ma liberté. Pas que ma liberté, mais c'est de redevenir cet être complet qui est à la fois un en-soi, mais aussi un pour-soi. Si on parle de la première attitude, par exemple, et c'est un peu triste, Sartre nous explique que l'amour va se réduire à une entreprise de récupération de mon être. En gros, je vais pas vouloir posséder l'autre, posséder sa chair ou autre, je vais vouloir posséder sa liberté pour faire autre chose de moi à ses yeux. Et pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais accepter, d'une part, cette aliénation.
Effectivement, je vais accepter le fait de devenir objet pour l'autre, mais je vais vouloir, cette fois-ci, être un objet spécial à ses yeux. Je vais vouloir être au-delà des autres objets. Autrement dit, je vais essayer de me sauver de mon objectivité en devenant non plus un moyen, mais en devenant une fin. Sa fin à lui. Sa fin absolue. Finalement, l'entreprise de l'amour, c'est vouloir devenir le monde de l'autre. Être au-delà de sa liberté, être au-delà de ses valeurs à lui. C'est là le fond de la joie d'amour, lorsqu'elle existe. Nous sentir justifiés d'exister. Et Sartre finira, heureusement, en nous disant que c'est une entreprise qui est absolument vaine, car si tout le monde fait ça, il y aura un énorme conflit, puisque l'autre n'acceptera pas qu'on devienne son monde, il voudra juste être aimé lui aussi à son tour, et alors, on n'y arrivera jamais. En plus, ça voudrait dire que l'amour, cette entreprise de l'amour, ce serait quelque chose de très paradoxal, où on voudrait posséder l'autre, mais en tant que liberté. Or, c'est impossible parce que si autrui est libre, moi je suis aliénée, mais si autrui est aliéné, alors moi je peux plus me reconnaître en tant qu'en soi et pour soi. Donc la volonté de récupération de mon être, elle est vaine par l'attitude de l'amour qui se réduit à une entreprise de cette récupération. Sartre pousse même la chose encore plus loin en disant que c'est le moment où on peut tomber dans le masochisme, c'est-à-dire où on accepte cette fois-ci complètement d'être objet, une bonne fois pour toutes, et plutôt que vouloir transcender la transcendance de l'autre, on va vouloir s'assimiler à lui pour de bon. En fait, le masochisme pour Sartre, c'est la volonté de vouloir se faire disparaître. Puisque cette entreprise va être vaine, Sartre va nous dire qu'on va essayer plutôt de ôter la liberté de l'autre, on va ôter sa transcendance. Et ça, vous le verrez, c'est le basculement vers le sadisme, vers la haine. Il y a un passage extrêmement beau sur la caresse chez Sartre, qui est comme une tentative d'appropriation du corps de l'autre. En fait, le but dans cette tentative d'ôter la transcendance de l'autre, eh bien, c'est de faire comme s'il n'était pas libre. Notre volonté, ça va être de vouloir déshabiller autrui de ses actions, de ses mouvements, de sa situation. En fait, à ce moment-là, on va totalement le réduire en tant qu'objet, on va le réduire en tant que chair, Sartre parle même de cadavre, en se faisant nous-mêmes désir et nous-mêmes objets, par exemple. En gros, le sadisme, c'est de vouloir traiter l'autre comme un instrument. Mais là aussi, Sartre nous dit, c'est un échec, on récupère rien du tout de notre liberté à nous, puisqu'on ne peut pas reconnaître soi-même sans la liberté de l'autre, et on ne peut pas reconnaître la liberté de l'autre si on a commencé par la nier. Donc en fait, pour Sartre, à partir du moment où on existe, c'est-à-dire avec d'autres personnes dans le même monde, on a forcément déjà un rapport conflictuel avec lui parce qu'on est de liberté, précisément. Donc moi, la question que je me suis posée, c'est si on est condamné à être libre, est-ce que par conséquent, on est condamné à l'aliénation? Et c'est là où on est réellement en confrontation avec notre première vidéo, notre première idée, notre première thèse, puisqu'on est en train de voir que l'absence, cette fois-ci, de morale menait à la fois à l'aliénation, mais surtout à un conflit des libertés et à des rapports de pouvoir peut-être encore plus grands que ceux de la morale. Donc finalement, comment on pourrait faire pour respecter la liberté d'autrui et surtout, est-ce que c'est possible ? Sartre envisage des choses comme par exemple la politique de la tolérance, ce qui me fait beaucoup rire, puisqu'il dit que traiter un enfant avec douceur, eh ben, ce n'est pas moins le contraindre avec douceur. En gros, ce que nous dit Sartre, c'est on peut être jeté dans un monde tolérant, eh ben, ça n'empêche pas qu'on est jeté de force dans ce monde tolérant, ce qui est encore une atteinte à la liberté, donc. Enfin, il évoque la politique du laisser-faire, comme il nous dit mais c'est impossible, puisque à partir du moment où on partage le même monde avec les autres, on ne peut pas ne pas être engagé, parce que tout ou une partie de nos actions est toujours, a toujours, un impact sur autrui. Et donc c'est terrible, parce que c'est un petit peu comme si à ce moment-là, on se disait, mais quoi qu'on fasse, morale, pas morale, quoi qu'on veuille faire, on ne respectera pas totalement, et jamais totalement, la liberté de l'autre. Donc impasse ou pas. Ainsi, le respect de la liberté d'autrui est un vain mot. Si même nous pouvions projeter de respecter cette liberté, chaque attitude que nous prendrions vis-à-vis de l'autre serait un viol de cette liberté que nous prétendions respecter. Alors il y aurait une ultime attitude, la pire de toutes, la haine. C'est-à-dire de vouloir un monde où l'autre n'existe pas. En somme, la haine, c'est le fait d'haïr le concept même
de l'existence d'autrui. Et le pire, c'est que Sartre, à ce moment-là, nous dit « Mais même ça, c'est un échec. » Parce que même quand tu veux détruire et abolir quelqu'un ou quelque chose, tu te rends compte que tu le fais encore plus exister au passé. En somme, pour se délivrer d'un côté comme de l'autre de l'aliénation, il semble y avoir aucune solution. Dans les cahiers pour une morale, Sartre va encore plus enfoncer le clou en montrant à quel point, justement quand il n'y a pas de morale et parce qu'il n'y a pas de morale, nos rapports, encore plus qu'aliénants, peuvent être violents les uns envers les autres. Le concept de violence chez Sartre, il est très intéressant à comprendre. D'abord, il y aurait une existence de la violence en tant que telle, de la volonté de violence en tant que telle, c'est-à-dire la morale de la violence. C'est le moment où on va prendre la violence comme fin, comme but ultime. La morale de la violence chez Sartre, ce serait le fait de considérer les autres comme totalement inessentiels pour moi. Mais Sartre, il va remettre plus ou moins en question cette existence même de la morale de la violence en disant que si ça existe, c'est quand même assez rare. Au contraire, il y aurait une violence qui serait plus ordinaire, c'est une violence qui serait le moyen pour un autre but qu'elle-même. En somme, la maxime de la violence, ce serait « la fin justifie les moyens ». La violence pour Sartre, c'est aussi la thèse de l'immédiateté. C'est le fait de vouloir quelque chose à tout prix, mais maintenant, comme s'il y avait une urgence. C'est pour ça que la violence, c'est aussi un refus d'avenir. Exemple assez connu de violence pour Sartre, le trompeur de Séville. Vous savez, c'est un homme qui se fait passer dans le noir pour le mari d'une femme pour aller dormir à ses côtés. Sartre nous dit, certes, on parle pas de violence physique, mais ce qui la représente comme violence en tant que telle, c'est que la liberté qui est en face de nous est totalement disqualifiée. En somme, la personne ne demande pas, puis est violent parce que la personne ne va pas contre le consentement, mais la personne, ce qui est pire, va à l'encontre même du consentement. Et il finira en disant que la morale de la violence, c'est la plus sotte, dit-il, de toutes, parce qu'elle est pleine de contradictions, plein de mauvaise foi, et il dira même que c'est un individualisme honteux, la peur de soi-même. Sartre va aussi, malheureusement, nous décrire une violence dans la vie quotidienne. C'est le cas où la violence ne serait plus une conception en tant que telle, mais un moyen pour arriver à une fin, mais cette fois-ci plus ordinaire, plus quotidienne. Parmi ces violences, il y aurait des violences à la fois offensives et à la fois défensives. Parmi les violences offensives, il y aurait, par exemple, l'éducation, le mensonge et la ruse. Dans l'éducation, la violence serait le fait de choisir les fins pour l'enfant en prétendant que notre liberté et la sienne ne se valent pas. Autrement dit, tous les choix et toutes les opérations de l'enfant, par exemple courir sous la pluie en t-shirt, vont être dévalorisés par le parent qui prétend savoir mieux que lui. En somme, dans l'éducation, la violence, elle apparaît parce qu'on fait de la liberté de l'autre une liberté qui est mineure. Sartre nous parlera aussi de la féminité notamment. Et cette violence-là aussi est un cas d'aliénation, puisque le but sera de faire de ma parole un bien pour l'autre. En fait, et c'est là où on rejoint l'aliénation de la morale, c'est la volonté de faire de notre morale celle de l'autre. J'adore également le cas du mensonge, où Sartre nous explique en fait que cacher une vérité ou déformer une réalité, c'est laisser la possibilité à l'autre de faire son choix, mais en le discréditant complètement, puisqu'il fait un choix dans une situation, mais qui n'existe pas, puisqu'on l'a inventé. En somme, mentir à quelqu'un, c'est aliéner la liberté d'autrui pour que son choix n'ait plus aucune valeur. Mentir, c'est proposer à quelqu'un d'autre un monde irréel, un monde imaginaire, où il peut faire des choix qui vont dans mes intérêts. Et à ce moment-là, le mensonge va devenir notre propre imagination, un univers, un être à part, nous dit Sartre. C'est pourquoi le mensonge, finalement, c'est moi. Mais il y a aussi un type de violence défensive. Alors la violence défensive, faut pas la confondre avec la contre-violence qui est la réponse violente à quelque chose de violent. Or là, la violence défensive, c'est une réponse violente à une situation non violente à la base. Un cas de violence défensive, ça va par exemple être le refus de communication. Sartre nous invite à imaginer un tableau de Guichia. Il me plaît, j'en fais part. J'attends une réponse. Mais l'autre ne va pas reconnaître ma liberté valorisante. En gros, il va me dire, tu trouves ça beau, mais t'y connais rien, et en fait, c'est moche. La violence dans le refus de communication, ça va être le fait pour l'autre
d'être butée et de ne pas réfléchir ou de même pas essayer de discuter avec l'autre pour remettre en question ce qu'il pense ou tout simplement le partager. Et à partir de ce moment-là, le tableau, c'est plus qu'un tableau, c'est une valeur objet où en fait on va pouvoir classer, nous dit Sartre, les hommes entre eux en fonction de ce qu'ils pensent du tableau. Par exemple, penser « je suis pas peintre, donc je ne peux pas parler de peinture » ou « j'ai été condamné, je suis en prison, donc je ne peux pas voter ». En somme, le refus de communication, c'est la volonté de vouloir classer les hommes en libre et en non libre. Et on retrouve évidemment le refus de l'avenir, la thèse de l'immédiateté, à savoir vouloir absolument que l'autre pense la même chose que nous sur le tableau, de manière urgente, parce qu'on ne peut pas l'expliquer. En fait, la violence, elle vient aussi parce que j'ai pas pu dévoiler à autrui ce que je suis seule à voir. Et là, je trouve qu'il y a une question intéressante à se poser. Est-ce que c'est parce que le monde de l'autre m'est complètement inaccessible que j'en viens à des rapports conflictuels et de violence? Souvent, il faudrait, pour réaliser l'accord, donner sa vie entière à l'autre. Il y a aussi l'appel, l'acceptation et le refus qui se basent sur exactement la même structure. C'est comme si tout ce qu'on avait vu sur les violences ordinaires était que des cas et que là on s'attaquait vraiment à la structure en tant que telle de nos rapports avec autrui. Par exemple, dans l'appel, on va reconnaître certes une liberté personnelle en situation et ce qu'on va lui demander, c'est au contraire une solidarité. On va lui demander de l'aide, tout simplement. Ça, c'est un petit peu plus optimiste parce que Sartre va carrément parler d'opération commune. Chouette. Mais malheureusement, ça aussi, ça peut se transformer en phénomène de violence. Parce que si on nous aide, ça veut dire qu'il y a quelqu'un, soit qui s'est approprié notre projet, ce qui est une sorte d'aliénation, soit qui tente de comprendre le projet, mais donc qui en a fait un objet. Et Sartre, il appelle plus ça l'aide, il appelle ça la sympathie. En somme, quand je vais vouloir aider quelqu'un pour Sartre, je vais soit nier son projet, soit lui voler. Aussi, c'est un concept qui est assez important pour comprendre la suite, c'est que l'appel est risque. On risque d'être mal interprété, car pas compris, et on risque aussi le refus. Quand on demande de l'aide à quelqu'un et qu'on refuse cette aide, on a deux choix. Soit renoncer à ce qu'on voulait faire à la base, donc renoncer à nos propres fins, renoncer à notre projet, ce qui est une sorte d'aliénation, soit vouloir à tout prix le but est par exemple se mettre à mentir pour obtenir cette aide ou être violent. Et là, pour Sartre, le refus va être encore plus violent que toutes les autres violences parce que avant, au moins, je pouvais refuser l'exigence. Là, non. Il est pire que la violence parce qu'il est toujours juste, quoi qu'il puisse être ignoble. Je terminerai sur le cas de l'ignorance et de l'échec. Pour Sartre, le fait d'être jugé ignorant par autrui, c'est un acte de violence. D'abord parce que, comme dans toute attitude de mauvaise foi ou de situation d'aliénation, on condamne la personne à être ignorant une bonne fois pour toutes. Mais la plus grande violence pour Sartre, c'est d'amener celui qu'on traite d'ignorant à s'enfermer lui-même et à penser lui-même qu'il l'est. Et c'est comme ça qu'on lui ôte le projet de savoir. Et ce sera aussi le cas dans l'effet inverse, c'est-à-dire de considérer quelqu'un comme extrêmement intelligent, Sartre va nous parler notamment des problèmes des tests d'intelligibilité en disant qu'il va y avoir une normalité qui va être intériorisée comme moyenne et donc comme impératif. Et c'est comme ça pour Sartre que naît la violence du sot, c'est-à-dire que l'ignorant, se pensant à cause de l'autre réellement ignorant, va tenter de croire, va être réduit à croire plutôt que de savoir. C'est pour ça que cette violence, plus encore que de l'aliénation, mène à l'oppression. Le savoir crée l'obligation d'enseigner. Si elle est maintenue par intention, elle est la plus subtile et la plus fondamentale des violences. Finalement, s'il y a nécessité de rapports conflictuels avec autrui, est-ce qu'on doit choisir, est-ce qu'on est condamné à choisir entre l'oppression d'une morale et l'aliénation de l'autre? Vous le comprenez donc, tout l'enjeu va être de savoir si on peut dépasser ces rapports conflictuels avec autrui, si on va réussir à trouver une alternative entre une morale qui est oppressive et des types de rapports avec autrui qui sont conflictuels. Je m'arrête là pour la deuxième partie, qui était quand même la partie la plus conséquente. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous souhaite de bonnes réflexions et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao !